Votre esprit croit tout ce que vous lui dites. Dites-lui que vous êtes belle, intelligente, ambitieuse. Dites-lui que vous êtes unique. Bienvenue. Je suis Val, coach holistique, coach intuitive, et je partage avec vous tout mon savoir sur apprendre à être dans l'instant présent, le développement personnel et la spiritualité. Mon but est de vous informer sur l'approche holistique en général. Holistique, avec le mot holos qui vient du grec, qui désigne le tout. Ce terme, en fait, désigne toutes les approches de la vie. Une vision holistique tient compte donc des dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles et spirituelles. Utilisez vos ressources créatives pour évoluer et guérir des maux de l'âme. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la suite en fait de l'épisode d'il y a 2 jours. Nous allons parler des pensées. Et quand j'utilise la phrase « est-ce que ces pensées me servent ?»« Est-ce que mes pensées me servent ?» et que je fais le petit rappel sur mon téléphone, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Donc en fait, dans la vie, chaque résultat que nous obtenons, que ce soit positif ou négatif, vient évidemment de nos pensées. Ça, je vous l'ai dit, mais je vous le répète. Donc à chaque fois que vous pensez ou dites quelque chose, votre subconscient l'accepte ou pas. En fait, parce que tout ce qui se trouve dans votre subconscient est tout simplement le fruit de vos croyances, qu'elles soient positives ou négatives. Donc l'idée est d'introduire une nouvelle habitude de pensée. Pourquoi ? Parce que, évidemment, tout ce qui est positif, ça on va le garder. Donc tout ce que votre subconscient a de positif qui vous rend service dans votre vie de tous les jours, ça c'est bien de le garder. Mais alors il y a des choses dont les fausses croyances qui sont... qui ne nous apporte rien dans notre vie parce que, comme je l'ai déjà dit et je vais le répéter, votre vie actuelle est le reflet de vos pensées passées, de vos émotions et de ce que vous avez vécu. Mais alors, si par exemple vous avez des problèmes ou s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie actuelle, il faut savoir les repérer. Une fois que vous les repérez et que vous comprenez, à ce moment-là, l'idée est de créer une nouvelle habitude pour remplacer cette habitude de pensée. Parce que sinon, vous allez avoir le même futur que votre vie actuelle et que votre passé. Donc, rien ne va changer, vous allez rester la même. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits d'habitudes. Donc, nous avons tout le temps les mêmes habitudes qui font que nous sommes la même personne à chaque fois que nous nous levons. Donc, l'idée est vraiment d'aller changer ça. Comment changer ça ? Eh bien, il faut d'abord donc trouver le point qui vous dérange, qui ne vous sert pas dans votre vie, trouvez les désirs, votre vrai désir. Pour cela, il suffit d'observer donc les résultats que vous avez dans votre vie actuellement dans différents domaines. Donc cela peut être dans le domaine sentimental, santé, travail ou un trait de personnalité chez vous. Alors je vais vous demander d'en choisir une chose qui vous dérange et que vous irez changer ou éliminer de votre vie. C'est ça l'idée. Par exemple, votre fausse croyance ou ce que vous croyez, vous allez dire « je suis grosse, je n'ai pas de chance » ou alors « je suis stupide » ou je ne sais pas moi, des choses négatives ou alors « je n'ai jamais de chance, ouais, je n'ai pas de chance, je n'ai jamais de chance dans la vie, la chance c'est pour les autres », enfin des choses comme ça. Alors l'idée est donc d'obtenir le résultat contraire puisque vous désirez avoir de la chance, vous désirez perdre du poids ou vous désirez être intelligente par exemple. Mais ça, votre subconscient, il acceptera tout ce que vous allez lui dire. Parce que votre subconscient, il n'a pas le pouvoir de penser. Donc, vous avez l'esprit conscient, celui avec lequel vous m'écoutez maintenant. Mais alors, l'esprit conscient, il écoute, il comprend, il voit bien tout ce que je dis, par exemple. Il dit « Ah ouais, je comprends, c'est comme quand vous lisez un livre. » Mais alors, le mettre en pratique, c'est plus difficile parce qu'il faut que le subconscient l'accepte. Et pour ça, il faut quand même introduire, ou un peu le piéger, on va dire. Et lui faire effacer nos fausses croyances et en introduire de nouvelles, de belles croyances sur vous. Ça, c'est top. Alors, vous allez commencer par une phrase qui dit le contraire de votre phrase de base. Négative, fausse croyance. Alors, vous pouvez commencer par, toujours commencer vos phrases par « je suis heureuse et reconnaissante d'avoir
d'avoir ou d'être. Voilà. Par exemple, vous allez dire je suis heureuse et reconnaissante d'être, d'avoir une belle silhouette, de me sentir légère, de mettre un pantalon taille 40 ou je sais pas moi quelle taille vous désirez avoir. Et puis, donc ça c'est quand même assez symbolique, donc vous allez commencer à comprendre. Donc je vais vous demander de noter votre affirmation quelque part et de la répéter. Mais alors, voilà où vient le petit truc. C'est que pendant la journée, vu que nous sommes en mode automatique, autopilote, comme je vous l'ai déjà dit, votre subconscient, lui, il pense de lui-même, ça tourne toute la journée, toutes ces pensées qui tournent. Et alors, durant la journée, donc, on va dire que nous tombons comme endormis, parce que 95%, 95% pour les Belges, du temps, nous vivons... c'est notre subconscient qui nous dit ce qu'on fait. Donc, c'est toute une série d'habitudes de vie que nous avons. Et donc, pour réussir à vous sentir mieux, parce qu'en fait, le mal-être, il vient de là. Parce que votre vrai vous, votre autre cerveau, parce qu'on a plusieurs cerveaux, on a trois cerveaux. La science l'accepte maintenant et c'est reconnu et il y a eu des recherches là-dessus. Donc, par exemple, votre cœur va vous dire quelque chose, mais votre esprit, il dit autre chose. Par exemple, votre ventre, il va vous dire quelque chose. C'est comme quand on a des papillons dans le ventre. Mais on ne l'écoute pas. Donc, on n'écoute pas notre corps. C'est ça, écouter son corps. Ah donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons aller contre notre vraie nature, notre vrai nous. Et nous allons continuer en mode subconscient. Donc, c'est l'esprit subconscient qui mène la danse. Mais ça, je vous le rappelle encore une fois, ça a été créé par... nos parents, nos éducateurs, tous ceux qui sont occupés de nous, je ne sais pas qui, vos amis, vos expériences, tout ça font qui vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Mais si qui vous êtes aujourd'hui ne vous plaît pas, il y a une raison derrière. Mais il faut d'abord s'accepter tel qu'on est. Donc, si on veut réussir à introduire une nouvelle habitude, il faut d'abord apprendre l'amour de soi. C'est pour ça que j'en parle souvent. Donc, vraiment apprendre à s'aimer d'abord tel qu'on est, accepter la situation actuelle au présent, se dire d'accord, j'accepte. Pourquoi l'idée de l'accepter? C'est parce que vous l'avez créé, je l'ai créé. D'accord? C'est un peu ce que je disais hier, j'ai puré comment j'ai fait pour créer tout ça. Eh bien, une fois que je comprends que j'ai créé tout ça sans le savoir, inconsciemment, ce n'est pas fait exprès, on est bien d'accord, il ne faut pas s'en vouloir. L'idée est surtout ne pas s'en vouloir, de lâcher prise, c'est ça, lâcher prise. Se dire d'accord, j'étais capable de créer ça. Top, j'ai capté, j'ai compris, j'enregistre ça, ok. Maintenant, ça veut dire que je suis capable de créer autre chose. Oui. Mais alors, je vais d'abord être reconnaissante, parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas reconnaissante de tout ce que vous avez créé vous-même, vous êtes en guerre contre vous-même, en fait. Donc, on se fait du mal. Et c'est ça, la souffrance, la douleur, c'est très difficile. Je suis d'accord, parfois ou parfois pas. Mais une fois qu'on comprend ça, c'est puissant parce que vous dites « Ah d'accord, en fait, je suis carrément maître de ma vie parce que vous pensez être maître de votre vie, vous n'êtes pas du tout puisque vous êtes tout le temps en mode, comme je dis, autopilote automatique. » Donc pourquoi faire ce petit rappel? Eh bien parce que durant la journée, vous allez être distrait, vous allez recommencer à être vous-même, ce qui est bien, enfin la personne que vous êtes actuellement. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les pensées négatives vont réapparaître parce que le subconscient, il envoie ça, boum, boum. L'esprit subconscient, il vous renvoie toutes ces pensées, boum, boum. Et ça tourne dans la tête et il n'y a que de la négativité. Et c'est ça le pouvoir. Et c'est ça, avoir le courage. Parce qu'on parle d'avoir le courage dans la vie, mais c'est ça, le courage et la force. Le courage et la force par notre esprit conscient, avec le cœur, avec l'amour pour soi, avec l'amour en général, c'est ça la plus grande force, eh bien, introduire une nouvelle donnée, comme dans un ordinateur, vous allez enlever l'autre fichier qui ne vous correspond plus, vous allez introduire un nouveau fichier, mais je vous préviens, ça prend du temps, vous n'allez pas faire ça en 24 heures, celle qui arrive, top, bravo à vous, je vous félicite, mais ça, vous pourrez, une fois que vous aurez compris comment on fait, c'est possible de le faire en très peu de temps. parce que votre âme, elle vous aide. Vous avez... Enfin, il y a plein de... L'énergie vous aide, si vous voulez. Il y a une énergie autour de vous. Vous arrivez à monter, donc, au niveau énergétique. Et là, vous aurez plus de facilité, puisque vous allez vous mettre à ce niveau énergétique.
puisque je vous rappelle qu'il y a des niveaux énergétiques très 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 bas, qui sont la négativité, la tristesse, la peur. Tout ça, c'est pas bon. Mais je n'ai pas, il faut pas se faire des reproches parce que nous sommes des êtres humains et nous avons tous et toutes des ressentis comme ça, c'est naturel. Nous sommes des êtres humains, nous sommes faits comme ça. Donc il faut surtout pas s'en vouloir. C'est ça la base. Donc il faut pas commencer à dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis détruite. Non, non, non. Ou alors en vouloir aux parents ou en vouloir à l'autre, notre, ça ne sert à rien. Et c'est là que vient le pardon. Pour celles qui n'ont pas suivi mon défi des 10 jours, je vous invite à aller le faire. Pour celles qui l'ont fait mais qui ont déjà oublié, je vous invite à le refaire. Choisissez l'exercice qui vous plaît le plus et répétez-le jusqu'à ce que vous compreniez bien. Parce que l'amour de soi, c'est pas en une fois que ça se passe, il faut du temps. Le pardon, c'est pas en une fois, il faut du temps. Parler à son enfant intérieur et le rassurer, c'est pas parce que vous le faites une fois qu'il va guérir. Donc tout ça, c'est guérir votre âme, guérir votre corps, guérir votre mental. Mais c'est guérir tout simplement. Et de se lâcher prise et de commencer à vivre. Et d'être vous-même et d'être heureuse. Alors je fais ce rappel pour être sûre que ces idées négatives, ces pensées négatives ne tournent pas dans ma tête. Parce que je ne les contrôle pas. D'accord ? On ne sait pas contrôler à 100%. On peut en contrôler quelques-unes, mais pas toutes. Donc faire ce petit rappel de est-ce que mes pensées me servent ? Ça veut dire est-ce que mes pensées me servent ? Donc ces pensées-là, à ce moment-là, me servent pour ce que je veux construire, ce que je veux faire ou si je veux guérir. Et c'est là que vous vous rendez compte. Puis alors, hop, vous switchez et vous tournez vers des pensées plus positives si vous le pouvez. L'idéal est vraiment tous les jours d'essayer de trouver des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Par exemple, aujourd'hui, il y a un beau soleil, mais il y a du vent, par exemple. Mais je peux dire quel bonheur de voir ce soleil, le ciel bleu. Vraiment des bêtes petites choses de la vie de tous les jours qui vous semblent normales finalement. Ou tiens, j'ai la chance d'avoir de l'eau courante chez moi. Ou je sais pas, j'ai la chance d'être en vie déjà parce que vous savez, pendant la nuit, je ne sais pas combien de millions de personnes, des milliers de personnes meurent pendant la nuit. Ils oublient de respirer ou leur âme ne revient plus parce que ouais, l'âme voyage la nuit, il aime voyager. Et donc, voilà. Trouvez des bêtes petites choses, le sourire de votre enfant, le sourire du voisin, le sourire de votre compagnon, le sourire de votre maman, le sourire de votre ami, tout et n'importe quoi. Je vous invite à vous abonner à votre invisible pouvoir pour en apprendre plus sur vous-même, votre être authentique, votre intuition, l'intention, l'amour de soi et plein d'autres beaux sujets comme la loi de l'attraction, la loi de la vie. À bientôt !